Salut, c'est Bertine depuis Los Angeles. Je fais cette vidéo juste pour vous parler de mon point de vue par rapport à ce William Singh qui fait la une de la toile. Je ne sais pas pourquoi vous tirez de loin. On a constaté, nous ici, que au Cameroun, c'est un problème de sexe. Et même votre star lui-même a confirmé que c'est un problème de sexe, qu'il y a un problème de game qui se passe là. Donc, vous dites que quoi? Si vous ne voulez pas prendre votre destin en main, ça veut dire que vous avez. Ça veut dire que vous avez des problèmes. Le gars dit que c'est un problème de game. Quand il y a un dossier sur la toile ou un buzz sur la toile, c'est juste toujours un problème de sexe pour le Cameroun. Ce Cameroun est déjà connu pour le sexe. C'est le sexe, c'est le sexe, c'est le sexe, c'est le sexe, c'est le sexe. Alors, quand un problème comme celui-là, un pays comme le Cameroun, les gens ne veulent pas prendre le destin. Tout ce que vous pouvez faire, c'est que quand quelqu'un a du talent, ce pays tue les jeunes. Et ces jeunes-là sont tués par ce gouvernement. Et ce gouvernement-là, c'est juste tous les illuminés. C'est les gars qui sont les diables. On a dit que il faut signer le pacte avec le diable pour être star. Donc tous les stars qui sont là-bas doivent signer un pacte. Et le pacte, c'est le sexe. Le pacte doit passer par un truc comme ça. Voilà un gars comme William Singh qui a tout un Me Too, le genre Bill Cosby aux États-Unis, le Me Too. Il était l'une des stars. Quand vous voyez William Singh, l'ami de Robinson Pifo, William Singh, le sexe. Robinson Pifo, son ami Robinson Pifo, le sexe. Robinson Pifo, l'ami de Kaben Namji, qui est toujours dans le sexe. Kaben Namji, l'ami de Steve Fa, qui est toujours dans le sexe. Steve Fa, l'ami d'Eto, qui est toujours dans le sexe. Et Eto, qui est l'ami de votre président, qui est toujours, ou alors était dans le sexe. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est un pays, que ce n'est que ça. Donc, pour être star au Cameroun, c'est confirmé. C'est confirmé. Et tous vos trucs, c'est toujours le sexe. C'est un pays dirigé par le diable, par les illuminés. Donc, laissez l'affaire que la maman de la comédienne est star. Elle a son talent. Elle est partie aussi. On lui a demandé, elle a donné. Pourquoi elle vient se plaindre? Elle a donné, on l'a pas. Elle a donné. Arrêtez de dire que c'est ça le chemin au Cameroun. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prenez votre destin en main, combattez ce gouvernement. Vous allez toujours partir, tourner, ça serait politique. Et tout ce que je voulais vous dire, que laissez cette affaire-là, c'est un pays où ce n'est que le sexe, ce n'est que le diable qui est entouré là. Tu ne peux pas progresser sans signer le pacte avec le diable. Tous ces gens-là, c'est des gars du diable. Merci, c'était mon avis.